نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نوالا في بنزيك شلو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فريغ سيغ الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous continuons nos piliers de Iman. Nous faisons une cause concernant Iman d'Allah. Alors, il est bon qui nous fait ressortir que la bonne religion et a beaucoup de similitudes. Beaucoup de choses qui ressemblaient dans beaucoup de religions. Surtout la religion qui nous dit, veut dire qu'il fait une livre. Mais la différence entre l'islam et les autres religions, c'est dans les détails. Dans les détails. Toute bonne religion, croit dans l'existence de l'être suprême. Mais la différence entre l'islam et les autres religions, c'est la façon de croire dans l'être suprême. Et de la même façon, dans tout bon sujet qui nous traitait, cette chose-là existe dans les autres religions aussi. Mais nous retournons vers ce qui nous fait dire, la différence c'est dans les détails, dans la façon. Iman d'ange, c'est la même chose. Alors, dans beaucoup de religions, je crois dans l'existence de bonnes créatures célestes. Bonnes créatures célestes, c'est une petite chose qui n'est pas unique à l'islam. Ben mouchrik dans ma cas, tu crois dans ben ange, dans l'existence de ben ange. Ben chrétien croit dans l'existence de ben ange, ainsi que ben juif, et aussi ben les autres religions. Mais différence, comment nous dire, c'est que à cause ça qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre les piliers de l'iman, qui l'islam fin dire concernant ben ange, et comment nous besoin croire là-dedans, qui limite nous besoin croire dans ben ange. Par exemple, ban mushrik de Makka, cette croyance de ban ange, c'est que ban ange, c'est banatullah, les filles d'Allah. Allah, loin de sa imperfection, Allah peut natifier, Allah peut na garçon, il peut na parent, il peut na aucun associé. Mais ban mushrik de Makka, je t'ai attribué ange comme bantifi d'Allah. Et dans christianité, nous trouvons que christianité, c'est un dîne qui, en lui-même, il y a une contradiction. Dîne chrétien, il y a beaucoup de choses qui sont inconsistantes, beaucoup de contradictions. Est-ce que Jésus bon Dieu? Est-ce que les enfants bon Dieu? Est-ce que il y a une partie de sa trinité? Je tourne en rond. La même chose concernant ben ange. Est-ce que ben ange, créature d'Allah, je crois de ben ange? Mais nous trouvons que Jibril alayhi salam dans conception chrétienne l'un de sa trinité le Saint-Esprit en référence à possiblement Jibril alayhi salam. Ben Yahoud, je crois que ben ange c'est ben créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une crique la lumière et ainsi de suite. Mais nous dans l'islam, frères et sœurs en islam, c'est que nous iman dans ben ange il y a deux niveaux. Il y a un niveau minimum qui tout musulman besoin connaît. Nous pas capables, croyants, si nous pas comprend, nous peine une notion de ban ange. Parce qu'ils font partie dans les six piliers de l'iman. Un djibon pas capable prétendre qu'il y a un iman s'il n'est pas connu, il n'est pas croire ou bien il n'est pas connu, même si on existe. S'il n'est pas connu, comme on existe. Mais comment le professeur a something la révélation? Alors donc, nous avons un niveau, veut dire, notion qui nous besoin, tout djimoun, c'est lui qui est éduqué, c'est lui qui est jahil, c'est lui qui est à l'école, c'est lui qui n'est pas à l'école, besoin au courant. Mais nous avons un deuxième niveau, que ben djimoun, c'est qui a envie d'approfondir dans la connaissance islamique, et il y a beaucoup de choses à apprendre concernant ben ange. Alors, nous avons un petit guide dans le juste milieu, veut dire, concernant nos sujets aujourd'hui, c'est
dans les détails sans qu'il nous rentre dans la complexité de ces là. Alors, tout d'abord, Iman d'Oban Ange, c'est-à-dire que nous, en tant que croyants, nous croyons que Enaban créature apporte insan parmi l'Adam, ban ange, qui Allah fin créé. Qui Allah fin créé, ban ange, qui habite, veut dire ban créature céleste. Nous croyons dans la création d'Allah, entre autres ban ange, en tant que créature céleste, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé. Alors les détails, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ban ange avec la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ban ange avec la lumière. Basant le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khuliqatil malaikatu min nur. Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ban ange apporté la lumière. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Et fin créé ban djinn apporté la flamme. Et wa khuliqtum mimma wusifa lakum. Et zut insan fin créé zut. Basant le ça qui fin décrire dans le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ange avec la lumière. Allah fin créé djinn avec la flamme. Allah fin créé insan avec la terre. Mais ça ne veut pas dire que si ange là, dans sa forme, veut dire il y a limité comme la lumière. Pareil comme insan, Allah fin créé Adam alayhi salam avec la terre. Ça veut dire que Adam alayhi salam, quand nous tous lit ou bien nous frottons, nous gagnons la terre. C'est la base de sa création. Pareil comme un djinn, il crée avec le feu. Ça veut dire que nous te rappelons, nous vous brûler. Mais c'est la base dans ce raw materials. Allah subhanahu wa ta'ala fin créé, veut dire sa bonne créature là, et sa création de base, sa substance de base, c'est la lumière. Alors, une petite explication, bref, qui fait Allah fin créé, ban ange avec la lumière, et il y a beaucoup de raisons. On a beaucoup de raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créer un ange avec la lumière. C'est par rapport à nature aux autres fonctions. Par rapport à nature aux autres fonctions. Parce que quand vous trouvez un ange, parmi les petites choses qui, dans votre fonction, c'est votre besoin de réagir et exécuter Allah subhanahu wa ta'ala avec une vitesse extraordinaire. Alors nous, insan, quelle vitesse nous capable aller? Nous galoper 50 km à l'heure, 100 mètres dans 9,6 secondes, après. Mais ben ange, vous avez besoin, dans votre nature, vous avez besoin, capable d'exécuter ben l'autre plus vite que vitesse la lumière. Malgré que la science, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de prouver qu'il y en a une petite chose qui est plus vite que la lumière. Théoriquement, je dis qu'il y en a, mais dans la réalité, vous n'êtes pas capable de prouver. Mais définitivement, basant le ban référence, Coran, nous trouvons que ban ange, cette vitesse lui surpasse plusieurs fois la vitesse de la lumière. Parce que pour que Jibril alayhi salam sorti l'eau du ciel et lui vienne l'eau la terre, pour une réponse à une question que Muhammad sallallahu alayhi salam peut gagner, il n'est pas, veut dire instantané ça. Pour que Jibril alayhi salam, quand Ben Zuif qui pose au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam question pour qu'il n'est pas capable de répondre. Puis embarrasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite Wahid descend. Mais qui vitesse sa Wahid descend dans les ciels et vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les ciels, quand ça y était ça. Septième ciel, quand ça y était ça. Pour qui Jibril alayhi wa sallam prend l'eau de la balle, il descend dans l'instant qu'il pose question. Alors donc, par déduction, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit créer la lumière, il finit créer vitesse la lumière. Définitivement, ban ange, je surpasse vitesse la lumière. Donc, qui fait être capable de faire ça? Parce que l'origine de cette création, la base, fin fait avec ban substance qui est capable de permettre cette, veut dire, traverse ban vitesse extraordinaire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est important, fin crée ban ange avec la lumière. Ça, c'est une de ban raisons, la vitesse. Mais aussi, la lumière symbolise la pureté. La lumière symbolise la pureté, c'est pour ça qu'il y a un ange. Vous avez un défaut dans vous, vous avez un manquement dans vous, vous avez un péché dans vous, vous êtes pur. La lumière symbolise la puissance. La lumière symbolise la puissance.
Alors, dans, aujourd'hui, on trouve une richesse militaire, mais c'est à vie. Peut-être dans quelques années, dans quelques décennies, pas pour une bombe, tout ça là. Tout à fait, pour venir parler comment mon film avant de spaghetti, superstition laser, qui ne finit arriver, qui ne finit, veut dire, existe dans beaucoup de hommes qui, aujourd'hui, on a, si laser est dans le modèle là, il va brûler les yeux. Alors donc, la lumière, elle a une puissance extraordinaire là-dedans. Donc, qui fait parce que exigence, travail, ben ange, vous avez besoin puissant. Dans le cas de bouquet de fonction, ben ange, pour que ben ange capable de faire une action qui, peine aucun la force qui connue, qui est capable de faire ce que ben ange fait. Alors donc, qui fait vous êtes capable de faire ça? Parce que Allah fait une création avec une matière qui est capable de faire vous faire une petite chose qui au-dessus de toute ben puissance qui insane, qui ben créature connaît. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin crée ange et ange fin crée avant insan. Ange fin crée avant insan. Nous pas connaît exactement quand Allah fin crée ange, mais définitivement avant insan. La preuve, dans le Coran, dans la surah Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec ban ange, dans la surah Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifa, dans la surah, dans les autres surahs du Coran, Allah subhanahu, par exemple, surah Hijr, قلت الله سبحانه وتعالى في عنوز بن آز إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون مبقيبا مبقي إنسان avec la terre. Alors donc Allah puis adresse avec بن آز. Donc بن آز fin créé avant insan. Mais le moment qui Allah fin créé آز personne pas connaît. Est-ce qu'il avant créé la terre? Est-ce qu'il avant créé les ciels? Allahu alam, Allah complice. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous informations concernant grandeur de ban ange. Nous, insan, qui nous grandeur, qui nous qualité, attribut de ban ange. Comment je t'ai été? Dans le Coran, ainsi que dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit démontrer grandeur de ban ange. Parmi là-dedans, tout un ange pas même grandeur, bien sûr. Un ange plus grand, un ange qui personne pas comprend cette grandeur excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi là-dedans, un de ban ange qui est connu comme Hamalatul Arsh, les porteurs du trône, qui est mentionné dans surah Al-Haqqa, « Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya » Le jour du Qiyamah, pour une 8 porteurs du trône. 8. Alors, donc, ce ben ange-là, dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uzin Ali, moi, fin gain permission, bien sûr, avec Allah, Allah fin donner permission, qui devait dire ça tient secret, ça. Ça tient secret, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin divulguer ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin informe nous concernant grandir ben porteur du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Udhina li an uhadithakum an hamalatil arsh. Mofin gain permission pour raconter zot concernant ban porteur du trône. Sa grandeur, ma baina shahmat udhunay, distance entre l'aube de zot oreilles, ila mirfaqay, jusqu'à qui, sous épaules, pour insan, les kabab 30 cm, 40 cm. Mais ange-là, depuis l'aube sous oreilles, jusqu'à sous épaules, masirati tis'atu mi'ati am. Distance à peu près 900 ans. 900 ans distance. Alors donc, imagine grandeur de sa ange. Imagine sa grandeur. Ça, c'est une partie pour gagner l'idée. Mais grandeur ange là même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas osé expliquer. C'est de nous une bout. Qui grandeur une bout là été? Parce que normalement, on a deux côtés épaules, nous avons les carrières, nous avons la longueur. Alors, donc, ça, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une correction, c'est Masirati Sab'imiyati Am, distance 700 ans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire 700 ans, normalement, dans façon parler ben arabe, vous pouvez calculer distance par vitesse cheval. Pour vitesse un cheval.
C'est un gibon qui est capable de faire un calcul pour gagner l'idée seulement. Un cheval, il voyage à peu près 70 km à l'heure. 70 km à l'heure, multiplié par 24 heures de temps, multiplié par 365, multiplié par 700, multiplié par des côtés. Ça gagne l'idée, pas une fou. C'est-à-dire, on gagne l'idée qui grandit en gelaté. Mais plus grand que Hamadul Harsh, possiblement Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, plus grand, possiblement. Allahu alam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Moufine trouve Jibril alayhi salam. Un hadith qui est rapporté par Mousnad Ahmed. Jibril alayhi salam dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Moufine trouve Jibril walahu sittatu mi'ati janah. Qu'il y en a 600 les ailes. Jibril alayhi salam lui possède 600 les ailes. Et donc, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça. في كل سته من كل جناح منها كل جناح منها قد سد الافق chaque les ailes in couvert le ciel chaque les ailes couvert le ciel ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin trouve dans l'autre version il fin trouve lui à l'horizon ça qui est très important là quand le soleil qui grandit a été combien millions de fois les plus grands qui la Terre. Mais quand le soleil à l'horizon, qui grossait il grossait une coin. Quand nous trouvons une coin, le ciel est vaste. Mais imagine Jibril à l'horizon. Il faisait respecter sa logique là, ça veut dire tant qu'il est à l'horizon, il est loin. S'il est loin, qui grandit, il faisait été. Il faisait dire qu'il est capable de trouver lui. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Jibril à l'horizon. Quand il est à l'horizon, papa trouve le ciel. Quand Jibril alayhi salam fin manifester lui à l'horizon, il fin trouver lui de loin. Alors donc, ceux 600 les îles, papa laisse le prophète alayhi salam trouve les ciels, citant les grands. Ça c'est grandir Jibril alayhi salam. Parmi les attributs de ban ange, comment nous fin trouver Jibril alayhi salam en a 600 les îles, mais en a ban ange en a moins. Qui quantité les îles maximum qui ban ange en a, Allahu alam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Fatir peut expliquer qu'il y a un ange et il y a parfois deux les ailes, parfois trois les ailes, parfois quatre les ailes, parfois plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Fatir peut dire Al malaika ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin. Fait une fait un ange comme messager uli ajnihatin, ban qui possède ban les ailes, mathna wa thulatha wa ruba', deux, trois, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, yazidu fil khalqi ma yasha, ou bien plus, ça qui a l'envie. Ça veut dire, ben ange, vous n'êtes pas pareil. Il y en a moins des îles, il y en a plus des îles, il y en a énorme, il y en a plusieurs dimensions, façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin résoudre. Ben ange, c'est une créature qui a une beauté extraordinaire. Ben ange, li connu par cette beauté. Basant le surah Yusuf, expression de ban jimun veut dire repère beauté. Repère beauté. Basant le quoi veut dire je compare beauté avec ange. Quand je fin trouve ban madame, fin trouve Yusuf alayhi salam qui se fin dire ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Citant isolé, pas capable d'une sans ça. Ange, ça. Ça veut dire ange, dans le langage banjimun, dans plusieurs, veut dire culture, langue, ange, c'est le reflet de beauté, c'est la représentativité, on va dire beauté. Beauté, ange veut dire beauté, symbolise beauté plutôt. Ange, c'est symbole beauté. Bazalo, surah Yusuf. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, fin mentionne, fin confirme qui ange l'extra joli. Basant le verset Coran dans Surah Al-Najm, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allamahu shadidul quwa. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fin envoie Jibril alayhi salam qui fin vin enseigne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Coran Dhu mirratin fastawa. Dhu mirra, quand nous get tafsir Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, un sahabi, il dit Dhu mirra veut dire Jibril alayhi salam, il est super puissant et il est beau, il est joli.
Jibril Zoli. Basons-nous sur ce hadith qui nous fait mentionner avant là, que Jibril alayhi salam en assistant les ailes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, de sa 600 les ailes, yasqutu min janahihi, depuis sa 600 les ailes, qui peut couler là-dedans, qui peut tomber depuis sa 600 les ailes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, min at-tahawil wa durar wa al-yaqut, ina ban pel ban rubi qui peut descendre sur les ailes. Pel et rubi qui peut descendre sur les ailes, hadith qui est rapporté par Mousnad Ahmad, qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Alors donc ça c'est beauté de ban ange, et voilà quelques caractéristiques. Ban ange, parmi ces ban attributs, vous ne pas manger, vous ne pas boire. Quand ça nous fait comme ça, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala raconte nos histoires de Ibrahim alayhi salam, quand ban ange fait une vie فجاءوا بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس من في نفسه خيفة فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة إبراهيم عليه السلام كان من أنش فيني ألو لين صوتي بوال دونزوت مانجي يفين بين أن فو يفين كوي يفين بوز دون زوت دون بلاتو من نا بابي مانجي باسكو زوت با مانجي إبراهيم عليه السلام زوت مانجي. Vous n'êtes pas mangé. Qui veut dire ange, votre nature de votre création, vous n'avez pas mangé, ni vous boire, ni vous éna, veut dire sexe, ni vous mâle et ni femelle. Vous n'êtes pas reproduire. Ben ange, vous n'êtes ni mâle et ni femelle, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une réfite, argument de ben mouchrik, donc pour montrer que ben ange, ni mâle, ni femelle, et ni vous reproduire. Vous n'êtes ni mangé. Alors donc, ange n'est pas mangé, n'est pas boire. Ben ange, contrairement à insan qui nous besoin reposer pour nous capables continuer nos ban responsabilité, ben ange, Allah fin créé vous d'une façon que là, vous n'avez aucune faiblesse physique. Vous n'avez aucune faiblesse physique dans votre nature. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Zut veut dire prosterner, zut fait éloge Allah le matin jusqu'au soir. Grand matin et à soir, zut n'apparaît du tout. Continuellement, zut dans ibadat Allah sans qu'ils aient arrêté. Qui veut dire une partie ban ange, il est dans prosternation, il dans sisdali, reste dans sisdali. Il n'y a pas de dit aux autres. Donc, contraire à ben, les autres créatures qui besoin repos, qui besoin dormir, qui besoin l'énergie, ben ange, les autres différents. Quantité ben ange. Qui quantité ange est-ce? Insan, actuellement, on arrive le 8 milliards. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Qiyama, combien de milliards pour 10, 20, 30, Allahu alam. Mais, ben ange, définitivement, je te surpasse en nombre, insan, et toute créature. Parmi ben preuve qui, ben ange, je te tellement nombreux, un hadith qui est rapporté par Bukhari pour nous gagner l'idée, je te pour amener Jahannam le jour du Qiyam, hadith Bukhari, yu'ta bi Jahannam yawm al qiyamati, wa laha 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك qui ban ange Allah pour faire ban ange risque Jahannam amené pour présenter devant ban créature au Qiyama pour risque sa création là sa Jahannam là pour risque Jahannam en a 70 000 la chaîne avec ça que la chaîne bisait 70 000 anges pour risque en la chaîne. Ça veut dire 70 000 la chaîne, N la chaîne, 70 000 anges. Ça veut dire s'il nous fait 70 000, pas 70 000, il fait 4 milliards 900 millions. 10 ban qui risquent l'enfer. 4 milliards 900 millions anges seulement pour risquer l'enfer. Mais imagine, Astéa, avec chaque insan, il y a des anges. Avec chaque insan, il y a des anges.
kiraman katibin. Avec chaque insan, il y a un ange gardien. Fait trois. Avec, dans la création, partout, il y a un ange qui peut prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire combien? Ange, il y a Allahu alam. À cause de ça, Allah dit, « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ » Personne ne connaît à propos Allah sur l'armée, à propos d'un ange excepté lui. Ça veut dire personne ne connaît qui quantité. Un ange est là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Allah fait une garde secret. Le nombre de ban ange, surtout ban ange qui poupine ban jibon dans l'enfer. Ça veut dire ban ange extrêmement nombreux. Et un autre hadith qui montre nous qui ban ange les surpasse, il dépasse nos calculs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au-dessus Kaaba et na Baytul Ma'mour. Kaaba, l'eau de la terre, c'est Kaaba insan. L'eau septième, les ciels, et l'autre Kaaba. Appelle Baytul Ma'mour. Ça, c'est pour ban ange. Qui se fait tawaf dans les ciels, dans le septième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il dit Farufi Ali al Baytul Ma'mour. Alors donc, fin montrez-moi, fin firma témoin Baytul Ma'mour. Fasaltu Jibril. Mufin demande Jibril alayhi salam. Fakala hada Baytul Ma'mour, hada al Bayt. Alors donc, Jibril alayhi salam dit ça c'est Baytul Ma'mour. Comme ici, Kaaba, ça c'est Baytul Ma'mour. Yusalli fihi kulla yawmin sab'oun alfa malak. Chaque jour, depuis la création de Baytul Ma'mour. Quand ça, Allahu alam. Chaque jour, 70 000 anges, je te fais salat à l'intérieur de Baytul Ma'mour. إذا خرجوا لم يعودوا إليه ما عليهم. Quand ça 70 000 ans, Zodi fin faire salat dans sa case, je n'ai pas encore retourné, je n'ai pas gagné le temps pour retourner encore, parce qu'il y a trop beaucoup encore pas encore faire. Ça veut dire, si tu as un ange, c'est lui qui finit de rentrer, 70 000, après un jour, après 100 jours, je n'ai pas encore arrivé, je n'ai tout pour y rentrer encore. Si tu as un ange, veut dire le nombre extraordinaire de ban ange qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé pour maintenir l'univers et pour servir notre créateur. Parmi ban nom de ban ange, parmi nom de ban ange, alors dans le Coran, fin mentionne ban ange, ce nom, ainsi dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui nous connaît, qui connaît clair, qui tout le monde connaît, Jibril alayhi salam, et aussi Mikaïl, qui mentionnait la sourate Baqara, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikal. Alors donc, un ange, le chef de tout ban ange, c'est Jibril alayhi salam. Nous gagnons ange Mikaïl, Mikaïl, ça c'est un autre nom ban ange. Nous gagnons ange Israfil, ça aussi c'est un autre nom de ban ange. Nous avons ange Israël, mais seulement ce nom-là, n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans le Hadith. Israël. Ce nom-là, c'est un nom qui est mentionné dans la Bible en référence à Malakul Maut. Pour nous, dans le Coran Sunna, le nom de Malakul Maut n'est pas mentionné. Mentionné par l'ange de la mort. Alors que dans la Bible, l'ange de la mort, ce nom, c'est Israël. Israël. D'accord? Nous avons un chef ange dans l'enfer, c'est lui qui est responsable de l'enfer, qui est connu comme Malik. Pareil comme mentionné dans la sourate Zukhruf, wa qila ya maliku liyaqdi alayna rabbuk. Alors pour dire Banjimoun, pour dire Malik, dire Allah, termine-nous. Veut dire détruis-nous. Parce que va supporte pédition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malik, c'est chef de ban ange. Mais, il y a beaucoup ban ange dans l'enfer. Là-dedans, il y en a 19 qui savent. 19 anges qui savent dans l'enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans surah Muddathir, alayha tis'ata ashar. Il y en a 19 anges qui sont sous directive, sous contrôle de Malik. Malik sait.
de ça, 19:11. Mais il y a encore, appelé les autres, Az-Zaba'inou. Az-Zaba'in, c'est les autres 11 encore. Alors donc, il y a beaucoup d'anges qui finissent métier dans l'enfer pour punir les habitants de l'enfer. Nous avons Munkir Nakir. Munkir Wan Nakir. Munkir Wan Nakir, c'est deux anges qui pour rentrer dans le Kabar tout le monde qui finit mort. Pour qui pose d'autres questions. Yatiyanihi malakani fayajlisanihi. Deux anges pour venir pour faire sa djimoun maula assise pour poser des questions. Mar rabbuk. Qui s'en a ton rab? Qui ta religion? Qui sa djimoun qui ne venait là? Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'écrire un petit peu concernant Munkir et Nakir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ida kubir al mayyitu, quand fini entier sa djimoun maula, atahu malakani, deux anges coulaient noir vert. Si dans les noirs, ils commencent à couler vert. Elle comprend. Ce qualité qui est comme ça, ange là. Si dans les noirs, les vins, comment dire, gagnent très réfléchis et tout. Aïe, aswadani azraqan. Plutôt, bleu, excuse-moi. Si dans les noirs, les gagnent très, comment dire, bleoli. Azraqan. Et donc, wa yuqalu li ahadihima al-munkiru wal-akharu al-nakir. Munkir et nakir. Nous avons Harut et Marut, comme mentionné dans la Sourate Baqara. Wama unzila ala al-malakaini bi Babila Harut et Marut. Alors Harut et Marut, c'est deux anges qui finissent descendre dans Babylone. Et parmi les attributs de ban ange, nous avons encore les autres anges encore, tels que ça qui fait mentionner dans le hadith, nous gagnons chef de ban ange dans le paradis. Ridwan. Son nom c'est Ridwan. Ridwan c'est le nom de chef de ban ange dans le paradis. Mais, peine à doute, dans le paradis, il y a beaucoup de ban ange qui dans le paradis pour servir ban habitant paradis. Il y a ban ange dans l'enfer pour punir ban habitant l'enfer. Il y a ban ange qui dans le paradis. Alors, vous pouvez dire Salamun alaykum tibutum fadkhuluha khalidin. Alors, donc, vous pouvez saluer ban habitants du paradis. Vous pouvez servir ban habitants du paradis. Alors, donc, chef de tout ça, ban ange-là, c'est Ridwan. Nous avons aussi ban mu'aqibat. Qui, Allah subhanahu wa ta'ala, ban ange, pas mentionne ce nom. Mais connu comme ban mu'aqibat, ban ange gardien. Ban ange gardien qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé pour gardien ban djimoun contre ban le mal qui n'est pas supposé atteindre zut. Ça veut dire qu'il y a beaucoup ban ange qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne ce nom ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais l'appli pas ban ange nous pas qu'on zut non. Parce qu'il se trouve beaucoup, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, ni de Coran ni de Hadith, pas mentionne nom de sa ban ange. Ok. Fonction de parmi les attributs de ban ange. Parmi les attributs de ban ange encore, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne zut le pouvoir de transformation. Ban ange parmi ce ban attributs, c'est le pouvoir de transformation. Pareil comme dans Sourate Maryam, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Ici, il transcend ange, il vient vers Maryam, alayhi salam. Il n'est pas fin prend forme ange, il prend forme بَشَرًا سَوِيًّا. Un homme dans une forme appréciable. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. Alors, Maryam alayhi salam fait une cherche protection, c'est quoi un homme étranger qui nous fait côté. Alors donc, ça c'était ange. Inni ana rasoul rabbik, moi le messager de ton Rabb. Et pareil comme ça même,
Et il y a deux fois, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est en compagnie de ce ben sahaba, ben ange Jibril alayhi salam, qui transforme lui en forme un voyageur. Hadith Bukhari. Comment nous expliquons ce hadith qui cela fait quand ça dit mon latinie, je te rappelle le hadith Jibril. Quand il dit Ya Muhammad, akhbirni hanil islam. Oh Muhammad, informe-moi concernant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'islam, telles affaires nous t'expliquer. Akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'a. Là, quand il finit, il allait. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce ben sahaba, est-ce que vous connaissez qui s'en a sa jimoun là? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Zod, Hada Jibrilu ja'akum yuhallimukum dinakum. Ça, c'était Jibril alayhi salam qui fin venir pour enseigner aux autres religions. Mais qui fait Jibril alayhi salam fin venir enseigner la religion? Pas si suffit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait Jibril alayhi salam fin venir faire da'awali? Fin venir enseigner la religion. Ban ulama peut montrer supériorité ban ulama. Supériorité ban ulama. C'est lui qui enseigne le bien. C'est lui qui enseigne la connaissance les supérieurs, tous les autres djimouns. Et ça mentionné dans le Coran, dans Sunna, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ben qui n'a iman et ben qui n'a connaissance, et spécifiquement ici connaissance sharia supérieure. Pareil comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Il n'est pas égal, c'est lui qui connaît, c'est lui qui pas connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit supériorité en alim, l'eau en qui par alim, il paraît différence entre l'éclairage de la lune et l'éclairage des étoiles. Alors donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que Jibril alayhi salam, les gains ça mérite, les finvin enseignent, les finvin participent d'enseigner la connaissance. Et aussi, da'wa, supériorité faire da'wa, mérite faire da'wa. Tout cela, c'est pour cette raison que Jibril, alayhi salam, fin participe, fin rôde un pas dans sa mérite. Parce que, lui vraiment, supérieur, c'est lui qui, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala, pena meyer, jimun, l'olaté pena meyer, مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ que celui qui invite vers Allah wa amila salihan, mais seulement en même temps il invite vers Allah, il pratique ce qu'il est invité. Wa qala innani min al-muslimin. Donc ça les extra veut dire haute devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama warathatu al-anbiya, ban kena connaissance din, c'est ban héritier de ban prophète. العلماء ورثة الأنبياء بن علماء سبن إغتيء دبن بروفيت زد بفين كيت لاجا وإنما ورثوا العلم مزد فين كيت la connaissance دين. Alors donc c'est pour cette raison que Jibril عليه السلام فين فين enseigne la connaissance. Alors parmi ben veut dire ben travail de ben ange qui mentionné dans Coran et qui mentionné dans hadith Rasulullah صلى الله عليه وسلم parmi là-dedans c'est la révélation. Transmission de la révélation liée spécifique à Jibril alayhi salam. Wahi, Quran. Veut dire, pour venir transmettre Quran, c'est Zish Jibril alayhi salam. Zish Jibril alayhi salam qui engage sa responsabilité. Parce que Jibril alayhi salam, Shadidul Quwa, ban Shaitan, je essaye d'intercepter la révélation. Ben, Shaitan, je trouve intercepter la révélation. Je ne suis pas capable parce que Jibril, alayhi salam, est trop puissant pour eux. Jibril, alayhi salam, est trop puissant pour eux. Et une de bonnes raisons aussi qui ben ulama dit qui fait Jibril, alayhi salam, n'est pas venu de sa vraie forme quand il joint Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Deux fois seulement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, trouve Jibril, alayhi salam. Une fois, au début de la révélation,
Comme Imam Bukhari mentionne dans ce livre, dans le premier chapitre, Bad'ul Wahi, le début de la révélation. Livre Bukhari, il y a un chapitre. Premier chapitre, Bad'ul Wahi, le commencement de la révélation. Là-dedans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y commence à gagner la révélation, il y commence à gagner un rêve. Et il y trouve une vraie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, commencement, avant de gagner la révélation, il y a un rêve, il y a une vraie. Jusqu'à qu'un beau jour, je peux m'arrêter, mon temps de crier mon nom Muhammad. Je peux rôder comme un guide dans les ciels, je trouve Jibril alayhi salam, dans ce vrai forme. Et deuxième, dans Mi'raj. عند سدرة المنتهى ده سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى là-bas qu'il finit de trouver avec 600 les ailes et ça va être là pour couler dans les ailes les ulamas disent parce que Jibril alayhi salam sa qualité qui Allah finit créer il ne sont pas capable de tenir sa présence il ne sont pas capable de supporter la présence de Jibril alayhi salam. Alors donc, Allah fait créer Jibril d'une façon différente. Alors, pour que ban shaytan n'est pas capable d'intercepter, manipuler la révélation, Allah fait créer Jibril alayhi salam d'une façon que là, c'est impossible pour que ban shaytan attaque un ange ou bien la révélation. Parce que pour ça qu'Allah fait dire, « Wa ma yantiqu ani al-hawa » Je ne dis pas cause pour sur la révélation, sur passion, mais veut dire c'est Jibril alayhi salam qui prend sa responsabilité pour veut dire pour donner la révélation. Deuxième, il y a un ange qui zut gain responsabilité pour transporter la pluie, nuage, l'orage, tout ça là c'est ban travail de ban ange. Ban ange zut dirige la pluie, zut dirige les nuages et ben, l'orage, soit c'est frottement de ben, les ailes de ben, ange, l'orage c'est frottement les ailes de ben, ange qui circulent dans l'eau la terre pour amener la pluie côté Allah oulé. Et chef de sa ben, ange, c'est Mikaïl. Veut dire les responsables de la pluie et nourriture. Mikaïl responsable de la pluie et nourriture. Ange qui est responsable souffler de la trompette, c'est Israfil. Israfil. Israfil, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-lui la responsabilité pour souffler de la trompette. Wa yawma yunfakhu fis-sur. Wa nufikha fis-sur. Wa yawma yunfakhu fin-nakur. Il y a plusieurs places quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne trompette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trompette là, il est comme un bouc, il est comme un cône des animaux de ce forme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit comment mon capable sont-ils moins à l'aise quand Israfil, depuis qu'Allah fin donne-lui sa responsabilité, l'infini prend sa trompette là, il met de sur la bouche. Et celui-ci est, comme on dit, deux étoiles brillantes. L'hypergate, Allah se trône. L'hypergate, direction, Allah se trône. Qui veut dire Allah au-dessus, net là-haut. L'hypergate, Allah se trône. Depuis ce moment-là, il n'est pas encore battu celui-ci. Qui fait, il n'est pas allé battre celui-ci. Attention, si pendant qu'il est battu celui-ci, l'autre soufflait de trompette vini. Et il fait une certaine seconde, une certaine veut dire l'instant retard. Ça c'est Israfil qui peut souffler de la trompette. Et sa trompette là, elle est tellement énorme. Et dans beaucoup de hadiths, surtout dans le hadith qui est rapporté par Mustad Ahmed, qui est aussi grand que l'univers. Nous ne pouvons pas comprendre cette petite chose là, mais nous avons un iman dans ce qui est Allah et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire. De toute façon, tout ça là, c'est un petit bout de petite chose dans l'ami Allah. L'univers en entier, quand il était, hein? Wal-ardu matwiya, wal-samawat wal-ardu, wal-samawat wal-ardu matwiyatum biyamini. Les cieux et la terre, vous ployez dans l'ami Allah. Tout ça, dans l'ami Allah, ça. Tout ça, là, c'est un petit point dans l'ami Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, se grandit,
personne pas comprend. Et il y a un ange qui a fait une responsabilité pour prendre une roue pour cause la mort. Malaïkatul maut, ange de la mort, il n'y a pas. Il y en a plusieurs, des centaines, des millions. Chef de ban ange, il connaît comme Malakal maut. Dans la Bible, il connaît comme Israël. Israël. Il est capable vrai, il est capable faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La tusaddiquhum wa la tukadhibuhum. N'a pas ni démenti ban quelque chose qui est n'a dans la Bible qui pas contredit le Coran ni approuvé. Dans la Bible, la plupart des choses sont falsifiées, mais possiblement, il y a certains textes, certains mots qui sont authentiques. Alors, c'est pour cette raison que ban information qui n'est pas contradictoire à Coran, à l'islam, ni nous approuve, ni nous désapprouve, nous reste tranquille. Alors donc, Israfil, c'est un nom qui sortit dans la Bible. Allahu alam, est-ce qu'il vraiment c'est nom Malak al-Maut ou pas? Allahu alam. Parmi là-dedans, comment nous fin dire, il y a un ange qui l'a li pour protéger, Allah fin créé li pour protéger l'insan. Pareil comme dans le Coran, Allah dit, Lahu muhaqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bianfusihim. Surah, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, surah al-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Lahu muhaqibatum min bayni yadayhi. Allah fait une place ban protecteur, ban gardien, pour gardien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs gardiens qui gardien li contre ban attaque. Parce que Shaitan fait l'attaque le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat, quand Shaitan fait une vine, prend une flambeau d'y fait, une autre brille sur figure. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala met ban gardien ou protège Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il mentionné dans surat al-Ra'd. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala fin met aussi ban ange pour protéger ban insan contre ban malheur qui n'est pas supposé arriver. Contre ban malheur qui n'est pas supposé arriver. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mention ban ange qui écrit ban action. Ça veut dire ban ange qui protège insan, protège Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ange qui gardien insan deux. Ban ange qui conduit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les plus guidés. Les pas devant à l'arrière, quatre au minimum. Parmi ban ange que Allah subhanahu wa ta'ala fait écrire pour écrire action du monde. Pour écrire une action du monde, kiraman katibin ya'alamuna ma taf'alun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Raqibun atid. Alors donc, il y a un ange qui écrit une bonne action. Chaque mot qu'il nous dit, chaque parole qu'il nous cause, chaque mot qu'il nous dit dans nous l'équerre, écrire. Ce bon ange-là, Allah fait une crézote d'une nature qui, quand nous causez dans nous l'équerre, je trouve. C'est pour ça qu'il y a un ulama dit que l'équerre a plusieurs niveaux. Il y a un niveau là-dedans que ban ange je trouve. Je tendais, je trouvais, Allah alam, comment je fais ça? Parce que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Idha hamma bi hasanatin falam yamalaha tuktab lahu hasana wahida. C'est lui qui fait une faire intention pour faire une bonne action, il pas récif et lui, lui écrire, ange écrire une bonne action. Mais qui nous fait l'intention avec nous l'écrire? Ça veut dire ange il trouve ça l'intention là, il écrit lui. Mais il y a un niveau là-dedans qui ange pas trouvé. Ça veut dire ange qui écrit action du monde, l'icône, ça qui nous dit, il tendait, il trouve nos bonnes actions, même quelque chose qui nous pensait. Même quelque chose qui nous dit dans nous l'équerre. Et je dis, il n'y a rien de bizarre à ce dire. Beaucoup de choses qui nous utilisent faire des efforts pour croire, je dis, mais quelque chose normal, c'est lui qui connaît. À ce dire, je dis, il y a l'appareil pour guetter qui vous peut penser. Pas dans les détails, mais il y en a, surtout là. Ça veut dire qu'il y a une recherche militaire,
C'est que aujourd'hui, nous sommes capables de trouver à l'IMP comment on peut faire Zako jouer game. Ou Algeté qui compte, veut dire avancer, qui insane, avancer à cause ça, nous dire ça c'est l'époque Shubuhad. Si nous pas consolide nos akida, demain nous perdons nos iman. Avec quelque chose qui est dedans. C'est du monde capable de connaître qui on peut penser, qui ont feelings, ou peut gagner peur, ou un désir, ou fatigué, ou peut gagner un tracas. Tout ban senseuse veut dire capable d'interpréter aujourd'hui. Digitalement, on va dire, prends sa ban coulée là, sa ban chalet là, etc. Je t'interprète lui. Là, souvent, on a fait une connaissance. Alors donc, mais seulement, il y a un niveau que ban ange, personne ne connaît, même insan aussi, même si après 1000 ans, il n'est pas capable de connaître, c'est Ikhlas. Ikhlas, il donne l'autre coin dans nous l'équipe qui personne ne connaît accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Et tout seul connaît qui s'en a vraiment les sincères de son iman. C'est pour cette raison qu'on sa djimoun qui ti tui 99, qui fait un crime 99 djimoun, là il fait une tui centième djimoun quand l'autre là une cause nonsense avec lui. Quand l'ipel fait taouba pour lui gagner repentance, il n'y a pas de récit repenti, il y a un mot. Alors, les deux catégories anges, il y a un ange qui a fait une crise pour récupérer le roux de ban mu'min. Et il y a un autre groupe de ban anges qui récupère le roux de ban kafir. Tous les deux groupes anges, je peux claim le roux de sa criminel qui fait une fête sans crime. Un là-dedans peut dire, il n'y a pas de fête au bas. Un là-dedans, il peut faire des efforts pour faire tawba. Allah subhanahu wa ta'ala fait une tranchée entre les deux. Ça veut dire qu'il fait, je peux discuter. Je ne pas connais. Je ne pas connais. Parce que l'intention, sincérité, lui, est un chevalier devant Allah. C'est un dimanche, il fait l'intention sincère pour faire quelque chose, comme s'il fait une action là. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait une tranchée, fait une démontrer que ça, dimanche là, tu es sincère dans ce effort pour gagner Allah son pardon, Allah ne pardonne lui. Là, ça, ben ange qui prend roux de ben croyant, là, je ne récupère ce roux je t'en allé. Alors donc, ça, c'est une preuve qui est une petite chose qui ben ange connaît dans l'équipe qui passait et une petite chose qui ben ange pas connaît, ça veut dire l'équipe, comme un ulama dit, il y a plusieurs niveaux et une petite chose qui ben ange connaît et une petite chose qui ben ange pas connaît. Il y a un ange qui, comment on peut dire, un gardien de l'enfer, gardien de Jahannam, mais aussi il y a un ange qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour construire une sane dans le ventre de maman. Un ange qui, sous l'autre, sous directive du Créateur, commandement du Créateur, lui construire sa fœtus. Et si je te pourrais faire une recherche sur Internet, je te pourrais trouver que quand ben la fin observe transformation insane, pas veut dire les bizarres, hein, mais seulement les fait où réfléchir. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut explique comment Allah crée insane d'avant son maman. Livin, quand un monsieur fait un rapport sexuel avec son madame, il sortit, veut dire sa ovule là, il est fécondé par sa sperme. Ensuite, il vient un caillot de sang, alaka, ensuite il vient un morceau de la chair. Ensuite, il commence à gagner forme, il commence à gagner les os, il commence à grandir. Bonne observation. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand en cela finit une étape, les fini transforment ça en caillou de sang. Il attend, il dit, Allah, qui m'a pour faire ça? Là, Allah donne l'ode. Il fait une autre étape. Quand il finit cette étape-là, il attend, il dit, Allah, qui m'a besoin de faire? Bout en bout, il attend directive. Et d'après observation qui maintenant fait développement fœtus, il y a une pause entre sa bonne étape. Il y a une pause entre sa bonne étape. Pas veut dire l'ibisa ça, mais seulement Allahu alam, possiblement. Il y a un ange qui
contrôle ban montagne. Ban ange qui est responsable ban montagne. Nous pas comprendre qui veut dire responsable ban montagne. Est-ce que ban montagne les besoin être maintenir dans son sorti, dans son bouger? Parce que montagne bouger. Est-ce qu'il besoin contrôle sur bouger? Ban qui fait science, ban qui content prendre vous connaissez qui est ban montagne, il grandit. Montagne Everest, sa crust, veut dire la terre là, li compressé depuis les nôtres, les sites, il peut monter. Everest, c'est pas même grandir. La moitié centimètre par l'année, il peut monter doucement, il peut monter. Est-ce que, parce que la montagne, c'est quoi finalement? Montagne, c'est ban piquer ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand fini, crée la terre, fin faire ban montagne comme piqué. Dans Surah Hamma et Tessa'aloun, que Allah subhanahu wa ta'ala fin faire mettre ban montagne pour stabiliser la terre où se sent. Parce que la terre, il bouge l'eau en l'axe. Si tient montagne, il bouge de gauche à droite pour stabiliser la terre, Allah fin mettre montagne comme piqué. C'est pour ça quand Zou Qiyama peut arriver, quand nous peut arriver Qiyama, quand Iman, Inch'Allah, le Yom Al-Qiyama, nous peut trouver, qui fait la terre pour envoler de gauche à droite. Parce que montagne pour sortir. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Ban montagne qui te fait sentir zot fixe, zot pour finir décaler zot sorti. Comment zot sorti, la terre là aussi bouge, gauche à droite, crase pas ici, crase pas là-bas. Je veux dire, possiblement, Allah subhanahu wa ta'ala finit ban ange pour maintenir ça, veut dire, ban montagne là, pour que la terre les continue stabilisée. Alors, un de ban hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin raconte nous, il dit quand les chigans battaient, quand ils sont blessés, pendant qu'ils font dawa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait dawa salon. Il n'est pas fait dawa, juste dans vélo, dans yakun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais dawa dans vélo, dans yakun, de façon parlée. Et aussi, il fait dawa le chemin, et il fait dawa. Dimon ti riyali, il fait dawa, dimon ti batli ici. Tous les deux. Alors donc, ça c'est vrai, dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, causé, fait dawa. Avec toutes conséquences, mais une fois les tigans battaient, ils s'y blessaient tout, ou trop les tigans, ils faisaient le cassette. C'est le cassette dans l'équerrie. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, fin, quand il sortit, Allah subhanahu wa ta'ala, fin envoyé 11. Wa qad ba'atha ilayka malakan, Jibril alayhi salam, fin vin vi'ali. Jibril jali, wa qad ba'atha ilayka malakal jibal. Allah fin envoyé vers toi, l'ange qui contrôle la montagne, l'état bima shit, pour qui te donne li, ça qui t'envie. Qui t'envie de te dire li, il peut faire ça même. Alors, fanadani malakul jibal, alors jibal, ange montagne, fin vin, kot rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, assalamu alayka ya Muhammad. Il fin fait salam, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Muhammad, oh Muhammad. Alors donc فقال ذلك في ما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. Si tu as envie, donne-moi l'autre, m'écrase ça la villa, sa villa entre ça des montagnes, donne-moi ça l'autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin pas ça, parce que qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup rahmat bil mu'minin raufur rahim, il a beaucoup compassion sallallahu alayhi wa sallam. Alors au lieu qui l'in réagir pas sur l'émotion, pas sur la souffrance, l'inlesso, compassion, domine, so, veut dire, so, frustration, domine, so, déception. Qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, au lieu qu'il y dit, mon, bah, ange, crase tout les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arju an yukhraj Allahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la sharika lah. Moi, garde l'espoir qui, dans une génération, pour une abandimoun qui pour grandir, qui pour prendre naissance, qui pour adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui est arrivé par la suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup masjid dans Taïf, et il y a beaucoup tawhid, abandimoun qui pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout cela, c'est ben quelque chose qui fin arrivé dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà iman dans Malaika. Qui, au moins, overall, nous gagnons l'idée concernant un ange. Nous avons certaines choses qui sont trop avancées,
qui peine à une conclusion définitive. Est-ce qu'il y a 11 poumons? Ban ulama et une divergence d'opinion là. Est-ce qu'il y a 11 poumons? Qui peut arriver tout ça ban 11 là après qu'il y a un fini, après qu'il y a tout le monde dans la jannet, après tout le monde qui est dans l'enfer, qui peut faire tout ça ban 11 là? Allahu alam, il y en a beaucoup qui sont qui ne concernent nous. Qui Allah subhanahu wa ta'ala connaît lui, Allah hakim, Allah lisaz, mais ça suffit, mais dire qu'il y a un djimon, il apprend ça, il y a tant les sons là, il écoute les plusieurs fois, il y a une notion concernant ban ange, et donc nous en tant qu'insan, nous besoin tient les sons, nous inspirons, nous tient les sons, ban ange, zot ribadat, ban ange veut dire zot qualité, nous gagnons l'encouragement, comment on fait ses faux. Ban ange fin participe de dawa, ban ange fin participe de jihad, ban ange fin participe de jihad avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ange participe dans majalis al-dhikr, là il y a ange dans tout ban place, il y a ban ange côté na zikrullah, ban ange vini zot assisé, zot couver sa mahol avec ban avec zot les ailes. C'est pour ça que ban seya ban frère nous connaît. Aujourd'hui, il y a YouTube. Aujourd'hui, il y a Internet. Mais sans doute, vous n'êtes pas gagné ce que nous pouvons gagner. Oui, je peux assister dans la case, je peux manger un gâteau piment, pistache, je peux guetter, mais c'est moi, je ne pas vous parler comme ici. Parce qu'ici, là, il y a 11, les ailes 11 peuvent couvrir nous par l'eau d'Allah. Donc, mérite, vin mazid ça. C'est lui qui m'a osé, il vin mazid pour lui apprendre. Alors, il gagne, il office à Bilillah. Fait différence, n'a pas les technologies embête nous, frère. Technologie, c'est une facilité. Mais pas faire technologie, Shaitan servit ça pour faire bouffon en nous. Shaitan peut gagner rire en nous. Ouais, mon fallait mettre YouTube. Ah, si c'est qu'il le YouTube. Parce que Shaitan connaît quand tu peux venir là, tu peux faciliter toi vers Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan, yaltamisu fihi hilman. C'est lui qui prend un chemin. L'immense pour chercher la connaissance, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite un chemin pour lui vers Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le masjid, majadis dhikr, quand il y a là, ben ange, je te couvre, ben djimoun, par contentement. Et Allah subhanahu wa ta'ala subarakat pédissan. Alors donc, tout cela, c'est ben bien fait quand nous cherchons la connaissance. Et il y a ben ange qui je te content. Quand Djibun peut lire dans Salat, ou peut faire Salat Nafil, ou peut faire Salat Faraz, Hadith Bukhari, qui est un ange, je debout devant celui qui lit, surtout imam. Ou bien n'importe où peut faire Nafil, je debout en face, jusqu'à ce que je coste la bouche avec la bouche Djibun. Pour qui faire? Qui sa Quran là fait face aux autres. Hadith Bukhari. Comme ça, qui commence au monde, je lave la bouche avant une masjid. Parce que dans ça, on est comme ça, fouf, malédiction, l'autre, on peut y aller, moi. Qui ne peut rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal malaika tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Ben, ange, je suis embarrassé, je suis en difficulté avec l'audi, avec quelque chose qui est insane, je suis en difficulté. Si je ne viens là, la bouche sent un petit peu, un problème. Le cas, vous avez malédiction, là-haut. Alors donc, nous disons, je connais que ban ange, je suis capable de venir là, je suis le Coran. Ban ange, capable de tester nous. Jusqu'à aujourd'hui, ange vient tester Djibun. Mais dans l'époque avant, ban ange peut manifester physiquement. Mais pas veut dire qu'il n'y a aucune place ni de Coran ni de Sunna qui ne sont pas venus aujourd'hui. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui tient à trois Djibun, ban ange, qui vient tester eux. Un qui a problème la peau, un qui est aveugle, un qui sur la tête parce qu'il n'a sévé du tout. Il est malade la tête, qui se sévé grainé. Alors, ces trois-là, je fin, isole je ne pas venir parmi Djibun parce que Djibun fait moquerie aux autres. Ben, ange, tu viens dans la forme insane pour venir tester les autres, qui s'en a reconnaissant vis-à-vis Allah. Quand un là-dedans fin vini, il vient plein sur la misère avec sa Djibun-là, dans forme insane. Là, ça insane fait doigt pour lui. Il dit, qui t'a envie? Il dit, je suis plus content, je suis Allah redonne moi mon CV, si tu as fait un miracle. Ça dit, mon là, en cela, en parenthèse, il fait doigt pour lui. Et ensuite, il fait doigt qu'Allah donne lui, veut dire,
quelques moutons. Et vrai même, ce chevin poussé, il y a beaucoup de moutons. Moutons, il produit, reproduit, reproduit, beaucoup, beaucoup, il est extra riche. L'autre là, si il a malade de la peau, il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, fait doua, ça ange là, dans le fond du monde, il fait doua pour lui, ce malade de la peau, il vient, il a une jolie la peau, et il demande bœuf, vache, il gagne, il casse un produit, il gagne, c'est pas qu'une quantité. Et troisième là, il est aveugle, il demande qu'Allah retourne sa vision, il gagne sur la vue, et il finit, il demande chameau. Si vous pouvez faire tant que ça, capable, le talent demande chameau, ça n'est demande mouton. Hein? Alors, ce qui est important là-dedans, quelques temps après, ça a enseigné, revenu. Il dit, mais donne-moi un mouton à toi. Le talent demande chameau à toi. Parce que mon besoin, quand je voyage, comment je peux aller? Donne-moi un, quand c'est favé, elle fait l'autre. Demande mouton. Le talent dit, demande chameau, le talent demande bœuf. Dès là-dedans, il fait moquerie, il agit mal. Avec ça, ange dans Fominsan. C'est ça qui est avec là, qui agit bien. Li Allah fin maintenir, sa faveur l'oli. La in shakartum la azidannakum. Si nous remercions Allah, Allah pour continuer, augmente nos faveurs. Ou la in kafartum in adab il a shadid. Mais si nous montrons nous ingrats, Allah sa punition sévère. Ça dit là, fin une punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ange capable, mais j'ai les vins testé nous. C'est pour ça que tout le temps nous besoin qu'on agit avec Dimon. Jamais nous faire Dimon celui qui a fait mal. Jamais nous dénigrer Dimon. Jamais nous montrer Dimon bas. Nous pas connaître qui s'en a devant nous. Nous pas connaître qui s'en tape nous la porte. Même Dimon qui vient agace nous. Oui, parfois Dimon vient agace nous vraiment. Les dormir mais tape nous la porte. Mais tu vas attendre. Parfois vraiment Dimon nuit. Parfois une nuisance. Mais pas faire. Pas j'ai mal ou pas connaître qui s'en a ça. Ou amma sa'ila fala tanhar. Ban qui peut mendier n'a pas mal j'ai mal envers eux. Alors, ange, vous êtes partout, vous êtes fait, ben Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes fait mission Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers et envers insan. Et aussi, il y a un ange qui il transporte salam vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un ange, votre fonction, votre transport de salam vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Votre circuit latin, c'est lui qui vient voir, et surtout aujourd'hui, veut dire la nuit du vendredi. Salam commence à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, avant Maghrib. Nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire beaucoup salam l'oli. Alors donc, quand on fait salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un ange prend ça, al kot Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit un tel, garçon un tel, il envoie toi salam. Trouvez. Alors donc, ça c'est créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monde des anges. Nous fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre dans son obéissance et fait nous une iman dans Allah et dans ban ange et aussi dans les six piliers de iman. Nous une semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.